la vache, toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête et il y a moi. Et ma faim qui bat la mesure de mon estomac. Et ma faim qui bat la mesure, mesure aussi mes fins de moi. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum sec à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs, la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas. Pendant que le ministre nous assure que la viande de la vache ne monte pas. Une vache à 1000 francs, en quittant le Morbihan. Demi un chemin faisant comme par enchantement, une vache à 5000 francs, en arrivant au Mans, une vache à 5000 francs. On ne sait pas comment, augmente de 20% en traversant le Mans, et devient par conséquent une vache à 6000 francs, une vache à 6000 francs. C'est bougrement tentant. C'est bougrement tentant pour les gens d'Orléans d'en faire innocemment une vache à 10 000 francs, une vache à 10 000. En sortant de la ville, pris dans un tourbillon, devient à Arpajon par un calcul habile, une vache à 20 000, 100 000 à Montlhéry, 200 à Juvisy, 300 000 à Orly, arrivant à Paris, à la porte d'Italie, la vache n'a plus le prix, la vache est au Gobelin, multiplié par 20, par 252 au carrefour Richelieu et par 817 en sortant de la Villette. Au dernier temps de la vache, rôtie sur l'étal, elle est là. Au dernier temps de la vache, il y a un monde entre sa viande et moi. Et l'État qui prend des mesures, l'État qui mesure notre émoi. Et l'État qui prend des mesures, fait monter un peu plus chaque mois. De la vache à 100 francs, on en mangeait autant. Autant qu'on en voulait, plus qu'il ne fallait, à midi au dîner, dans le café au lait de la vache à 500 francs. C'est déjà plus gênant. Moi, quand mange en moyenne 10 kilos par semaine, pour avoir mon comptant, je privais les enfants de la vache à 1000 francs. De la vache à 1000 francs. Il vaut mieux carrément se gaver d'ortolan et s'offrir des homards tartines de caviar de la vache à 2000 francs. Ce sera pour le jour de l'an. On la mangera truffée sur un grand canapé, on gardera le foie gras pour les autres jours du mois de la vache à 5000 francs. Ça deviendra un placement. Avec mes lingots d'or dans mon grand coffre-fort, j'endosserai des rumsteaks et les coupons de beefsteak de la vache à 5000 francs. Ça devient décourageant. C'est pas qu'on soit méchant, mais un beau jour pourtant, il faudra bien qu'on sache qu'on ne peut plus suivre la vache. Oh la vache, la sale vache, oh la vache, nous rendra fou. Oh la vache, la sale vache, oh la vache, nous rendra fou.